Nous avons eu une semaine d'enseignement, à la fois théorique et pratique, hein, sur l'examen périodique universel. Comme son nom l'indique, c'est un examen auquel donc tous les pays du monde sont soumis, dont l'objectif est de faire donc l'état des lieux, la situation donc des droits de l'homme à un moment donné donc au niveau donc du pays. Et tous les pays y passent. Et les problématiques, c'est vrai, en matière de droits de l'homme, peuvent souvent paraître communes, mais il y a quand même des expériences particulières. Et donc, cette session nous a non seulement permis d'apprendre théoriquement ce que c'est que le PU, mais aussi d'en savoir davantage donc, sur les expériences particulières donc, de chaque État, et donc de tirer profit, le meilleur profit donc, de ces expériences-là, surtout en termes de suivi, ce que d'autres développent donc, dans leur pays, pour assurer quand même un suivi donc du processus EPU. Parce que le tout n'est pas de se faire évaluer donc au sein du Conseil des droits de l'homme. Il faut pouvoir après engager des actions donc pour assurer un suivi de telle sorte que l'État puisse faire des progrès. Et donc ça.